tout d'abord, et déjà, il faut signaler que nous sommes dans la 33e année. Donc, c'est déjà un bail. Ici, à la Butte Fleuref, on a lancé le temps des cadeaux. Et donc, cette année, comme chaque année d'allure, nous retrouvons une bonne quarantaine d'artisans qui partent de la gravure sur verre, peinture sur bois, sculpture. Donc, du nouveau, c'est-à-dire, c'est toujours des artisans. Nous essayons d'avoir des produits utilitaires, des articles utilitaires, de façon à ce que les gens puissent, en tout cas, s'en servir et ne pas des choses de loisirs. Et voilà, donc c'est toujours la même chose. Donc, voilà. Moi, je me réjouis d'être ici, justement, dans un lieu comme cela qui est chargé d'histoire, plus également à l'extérieur, donc dans d'autres chalets et à l'intérieur des cours, donc avec tous les autres véritables artisans. C'est ça que j'aime bien. Et on est dans un cadre exceptionnel. Dans le temps, nous fermions le 31, maintenant nous fermons le 30, parce que je pense qu'il faut laisser le loisir à chacun de pouvoir profiter de son réveillon de nouvel an. Pour moi, le marché de temps des cadeaux, c'est le rassemblement de tous et beaucoup d'artisans qui viennent montrer leur savoir-faire et leur métier, quoi. C'est vraiment un vrai marché artisanal, ce ne sont pas des commerçants, je n'ai rien contre les commerçants, mais c'est vraiment quelque chose d'ici, de typique. D'ailleurs, quand on lit la presse, on dit voilà, Fleuref, c'est quand même vraiment le vrai marché artisanal. Et donc, non seulement vous avez de très très bons artisans, mais également vous avez un super site que vous pouvez vous promener. Vous avez des parkings tout à falaise à 50 mètres de l'événement et moyen de passer une demi-journée facilement à se distraire sur le site.